Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce cours d'immunopathologie qui malheureusement se fait par vidéo et non pas par cours en direct. Comme je l'ai dit à vos délégués, j'essaierai, je pense même qu'on peut programmer cela, de faire au moins deux séances de réponses, questions-réponses à la fois au QCM mais aussi à des exemples de vignettes qui sortent à l'examen intégratif. Et je pense que cela se fera la semaine prochaine, donc la semaine du 23 novembre. Qu'entend-on par immunopathologie? Eh bien, on parle de maladies, l'étude des maladies dans lesquelles une anomalie du système immunitaire joue un rôle central. Bien évidemment, le système immunitaire peut être impliqué dans de multiples maladies, mais on réserve généralement l'immunopathologie, le terme immunopathologie, à des maladies qui font jouer au système immunitaire un rôle central. Voici les différentes parties de ce cours. Le cours d'aujourd'hui est consacré aux immunodéficiences, sachant qu'une des causes majeures d'immunodéficience de par le monde, qui est le VIH-Sida, ne sera pas vue dans ce cours de bac, mais sera vue l'année prochaine par Gilles Darcy dans mon cours de maladies infectieuses. Le prochain cours sera consacré aux allergies. Il y aura un cours et demi consacré aux maladies auto-immunes. Et nous aborderons également les maladies auto-inflammatoires. Alors très brièvement, donc les maladies néoplasiques du système immunitaire seront vues l'année prochaine dans le cours d'hématologie du professeur Beguin. Alors, très rapidement, qu'entend-on par allergie et hypersensibilité? Autant en parler dès à présent. On parle de réponses immunitaires qui sont excessives et qui sont dirigées contre des antigènes a priori non infectieux et inoffensifs. Les maladies auto-immunes sont des maladies de l'immunité adaptative qui se dirigent contre des antigènes du soi. Et les maladies auto-inflammatoires sont des excès de réponse contre notamment des PAMP ou des DAMP. Et donc ce sont essentiellement des maladies de l'immunité naturelle. Le cours d'aujourd'hui est donc consacré aux immunodéficiences et aux situations dans lesquelles on observe des infections à répétition. Je distingue les deux parce que on voit très souvent en consultation et on entend très souvent dans les médias des questionnements concernant la survenue fréquente d'infections perçues par les patients comme anormalement fréquentes. Et dans la plupart des cas, statistiquement, on ne trouve pas d'immunodéficience au sens propre du terme, mais on trouve un ensemble de causes qui ne touchent pas de façon centrale le système immunitaire, qui touchent d'autres organes et qui peuvent, par des mécanismes divers, augmenter la fréquence d'infection sans qu'on parle à proprement parler d'immunodéficience. C'est ce qu'on appelle aussi parfois les comorbidités. Et donc, vous en avez vu des exemples. J'ai repris ici, par exemple, sur le site du Conseil supérieur de la santé en Belgique, les indications du vaccin antipneumocoxique. Vous savez que le pneumocoque est une maladie grave, une des maladies bactériennes les plus fréquentes et les plus sévères chez les adultes. Et qu'on conseille la vaccination contre le pneumocoque. Et voici les groupes à risque qui sont ceux qui vont bénéficier d'une vaccination. Et vous avez une distinction entre des personnes qui ont réellement une immunodéficience, donc adultes présentant un trouble immunitaire, donc un manque d'anticorps, l'absence de rate, etc., avec des personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas a priori de maladie du système immunitaire, mais à cause d'une décompensation cardiaque, d'une bronchite chronique, d'une bronchopathie chronique obstructive, le fait de fumer, etc., une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, un problème neurologique, un diabète, sont à risque de faire ces infections à pneumocoque.
Alors, il va bien de soi que notre cours d'immunopathologie, nous, on va surtout parler des immunodéficiences, mais juste quelques mots sur toutes ces comorbidités et ces facteurs, je dirais, qui peuvent augmenter la fréquence des infections respiratoires, des infections en général, sans qu'il s'agisse d'immunodéficience. Alors, les comorbidités elles-mêmes, bah, vous les verrez dans les cours correspondants. Un mot d'autres facteurs également très fréquents et qui peuvent expliquer les infections à répétition, notamment tout ce qui est modification des microflores par des facteurs divers. Regardez ici par exemple des personnes qui souffrent de sinusite, de rhinosinusite chronique. On analyse la diversité de leur microflore au niveau nasal et on voit qu'il y a des différences très significatives. Il y a une sorte d'appauvrissement de la microflore en termes de diversité chez les personnes qui souffrent de ces sinusites chroniques. La biodiversité n'est pas qu'importante au niveau de la planète, mais aussi au niveau de nos microflores. Qu'est-ce qui peut appauvrir les microflores? Bah, toute une série de choses, mais notamment la consommation d'antibiotiques. Et vous avez ici un article dans un journal de très grande qualité où on analyse le risque de développer des infections communautaires. Donc communautaire, ça veut dire pas acquises à l'hôpital. C'est les infections que n'importe quelle personne qui vit en dehors de l'hôpital peut développer. Et le fait d'avoir reçu préalablement un traitement antibiotique. Et donc, ce qu'on voit, je vais directement en conclusion, c'est qu'ils ont trouvé une association entre l'utilisation préalable d'antibiotiques et le risque de développer une vaste gamme d'infections communautaires, parmi lesquelles des infections gastro-intestinales. Hein, vous le saviez déjà, quand on prend des antibiotiques, on risque d'avoir des problèmes intestinaux, mais aussi des infections de la peau, des tissus mous. Et donc, indiscutablement, le fait de prendre des antibiotiques va à long terme favoriser les infections par ces modifications des microflores. Parmi les causes également banales, je dirais, d'infections à répétition, hein, je vous dis ça pour que si vous avez un patient qui vient vous trouver pour des infections à répétition, n'allez pas nécessairement chercher d'emblée des maladies rares, des maladies génétiques, il y a parfois des causes évidentes. La consommation de tabac avec ou sans bronchite chronique obstructive, les allergies sont également, favorisent les infections. Le syndrome des jeunes adultes qui n'avaient jamais eu d'infection avant et puis qui, depuis qu'ils ont de jeunes enfants qui vont en crèche, etc., sont plus souvent malades. Tout ça a bien été démontré. Les carences en vitamine D, je vais y venir. Juste un mot pour illustrer cet impact important du tabac sur les infections respiratoires, mais vous le saviez déjà. Ici, ce qu'on a considéré, donc c'est une méta-analyse, hein, qui va compiler les résultats de différents articles publiés pour refaire une statistique globale sur ceux-ci. On a considéré ici non pas le tabagisme actif, mais le tabagisme passif chez les enfants et le risque de développer des maladies bactériennes invasives chez les enfants dont les parents fument. Et vous voyez, ce risque, il est significatif, hein, il est doublé chez les enfants dont les parents sont des fumeurs. Alors le tabac va favoriser les infections par toute une série de mécanismes qu'on ne va pas certainement voir ici. Les carences en vitamine D, hein, sont importantes. La vitamine D a de multiples effets sur le système immunitaire. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle est à la fois, elle intervient à la fois pour réguler, je dirais, de façon inhibitrice les phénomènes inflammatoires, les phénomènes allergiques, mais elle a également un rôle anti-infectieux. Le rôle avait été démontré de longue date, notamment dans la défense contre des bactéries intracellulaires comme les mycobactéries, mais il est également bien démontré pour des infections virales. C'est très important puisque, comme vous le savez, il y a très peu de vitamine D dans l'alimentation et on dépend exclusivement de l'exposition au soleil qui est médiocre chez nous, notamment en hiver. Donc une grande population, une partie de la population est carencée. De nombreux articles ont démontré le lien entre carence en vitamine D et infection virale. En voici ici.
Donc dans celle-ci, bon, je ne sais plus très bien comment l'étude avait été faite, mais on avait rendu des vitamines D en analysant l'effet préventif sur ces infections du système respiratoire. Et ce qu'on peut voir, c'est que... Donc voilà, j'ai été interrompu, je pense qu'on était plus ou moins ici. Voici une méta-analyse de 2017 où on analyse justement ce bénéfice de suppléments de vitamines pour éviter les infections respiratoires et on voit qu'il y a un effet significatif qui n'est pas majeur. Hein. Il est clair qu'il ne faut pas prêter à la vitamine D plus de puissance qu'elle n'en a, mais qui est significatif dans la prévention des infections respiratoires. Alors je suis sûr que vous avez beaucoup entendu parler de vitamine D et Covid. Il y a déjà 300 articles plus ou moins sur Medline, avec un lien très probable, aussi bien en termes de probabilité d'attraper le Covid que de faire une forme sévère. J'ai repris ici celui-ci dans un journal de bonne qualité. Un journal dépendant du JAMA de septembre dernier. Un étudiant en médecine que vous connaissez peut-être, Christophe Ortmann, ça fait une petite étude sur nos patients du CHU avec des intensivistes, le docteur Rousseau notamment, avec Étienne Cavalier, et a pu montrer que les patients, évidemment ici on n'a analysé que des patients avec l'infection, donc l'analyse portait sur la sévérité, et il a pu voir que les personnes qui entraient aux soins intensifs, donc ICU, avaient des taux de vitamine D plus bas à l'admission que les patients n'allant pas aux soins intensifs, et que par ailleurs, mais il a analysé beaucoup d'autres paramètres, j'ai juste repris ceux-ci, il y avait un lien entre les taux de vitamine D à l'admission et la durée d'hospitalisation. Plus bas étaient les taux, plus longue était la durée d'hospitalisation. On est en échelle logarithmique ici. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose d'important, y compris pour vous-même et pour vos proches. Alors comment la vitamine D peut-elle moduler le risque de Covid? Il y a différentes hypothèses. Bon, pour les formes sévères, on peut postuler que la vitamine D, la carence en vitamine D est associée à une libération cytokinique peut-être plus importante en termes d'interféron gamma, de TNF-alpha, d'interleukine 6, etc. Par contre, pour la protection vis-à-vis de l'infection, il semblerait que les carences en vitamine D ont tendance à inhiber la réponse précoce en interféron alpha, qui est l'interféron antiviral, mais bon, tout ça n'est pas encore très clair. On en arrive aux immunodéficiences à proprement parler, donc des maladies qui touchent électivement le système immunitaire. On va les classer de deux façons. La façon dont nous allons les aborder, c'est en fonction des compartiments qui sont touchés. Déficit en anticorps, déficit de l'immunité à médiation cellulaire, déficit des phagocytes et déficit du complément. Mais on peut décliner chacune de ces catégories en fonction du fait que l'atteinte est primaire ou secondaire. Alors, par atteinte primaire, on entend une cause endogène, je dirais, c'est-à-dire a priori génétique ou liée à des facteurs environnementaux, mais néonataux, prénataux, c'est-à-dire contre lesquels on ne peut plus grand-chose. Par contre, les causes secondaires, ce sont des causes qui sont de façon évidente liées à un médicament, une irradiation, une infection comme le VIH-Sida, une splénectomie, etc. Alors on commence, comme je vous l'ai dit, par les déficits de l'immunité humorale, les déficits en anticorps. Alors je vous demande de retenir que classiquement, les déficits en anticorps vont donner des infections bactériennes, et le plus souvent par des microbes comme le pneumocoque, comme l'hémophilus, dans une certaine mesure comme le pneumocoque, c'est-à-dire des microbes dont la phagocytose nécessite une opsonisation, soit par le complément, soit par les anticorps.
Les infections seront souvent respiratoires, dans certains cas également digestives, et elles auront, bon, il s'agira d'infections respiratoires hautes, hein, des infections des bronchites, des infections RL, ou basses, évidemment, dans les cas plus graves, comme des bronchopneumonies, avec pour séquelles, puisque c'est un phénomène chronique, l'apparition de bronchiectasie. Donc les bronchiectasies, c'est vraiment une altération de la structure normale d'une bronche, n'est-ce pas? Vous voyez que, il va y avoir une certaine dilatation, une perte des cils, la paroi est détruite et le mucus a tendance à s'accumuler. Et donc vous avez ces images de bronchiectasie qui révèlent manifestement des infections à répétition. Donc je pense que si vous constatez chez un patient ou si vous lisez un protocole de scanner qui vous décrit ce type de bronchiectasie, eh bien il ne faut pas hésiter à évoquer un déficit en anticorps. Ça arrive trop souvent que des personnes ont manifestement un tel déficit depuis très longtemps et le diagnostic est posé à l'âge de 50 ans, parfois alors qu'ils ont traversé 25 ans ou 30 ans de leur vie avec des taux d'IgG très basse. Alors encore une fois, vous vous souvenez qu'il y a cinq classes d'anticorps, mais celle qui est réellement problématique, c'est le déficit en IgG et on ne, je dirais un mot du déficit en IgA, mais c'est réellement le déficit en IgA, en IgG pardon, qui est le plus problématique. Alors parmi les causes primaires, il y a des maladies très rares que voient surtout les pédiatres des grands centres universitaires qui vont concentrer les cas. Il y a une maladie assez emblématique qui est la maladie de Bruton, qu'on appelle aussi agammaglobulinémie liée à l'X, qui se caractérise par une absence totale de lymphocyte B et les cinq classes d'anticorps sont également absentes. Il n'y a pas d'anticorps, que ce soit des G, des A, des M, des E, des D, 0. Cette maladie est liée à une mutation d'une tyrosine kinase qui intervient à des stades précoces de la différenciation des lymphocytes B. C'est une tyrosine kinase qui n'est pas nécessairement que je vous demande éventuellement de retenir dans un coin de votre tête parce que certains médicaments sont des inhibiteurs de cette tyrosine kinase et sont utilisés ou vont être utilisés dans des différentes maladies auto-immunes notamment. Voire même dans des maladies, dans l'urticaire, etc., il y a des inhibiteurs de tyrosine kinase qui sont à l'étude. Ce sont des maladies graves qui apparaissent généralement de la petite enfance. Dès que les anticorps maternels ont disparu, les premières infections bactériennes vont survenir. Alors voici une image très schématique de la différenciation des lymphocytes B à partir d'un précurseur lymphoïde commun, les pro-B, les pré-B, les B immatures, puis les B matures qui expriment à la fois des IgM, des IgD, et puis les stades de différenciation avec la commutation de classe, la différenciation mémoire et la formation des plasmocytes. La maladie de Bruton touche des stades relativement précoces de ces phénomènes, mais une vaste famille d'hypogammaglobulinémie va toucher des stades plus terminaux de la différenciation et de l'activation du lymphocyte B, et on les appelle collectivement les CVID. Alors c'est l'acronyme anglais. Ne confondez pas avec CIVD qui veut dire coagulation intravasculaire disséminée, ça n'a rien à voir. On parle ici d'immunodéficience pour le I, commune pour le C et variable pour le V. ID, c'est immunodéficience. Donc Common Variable Immunodeficiency. Donc ces immunodéficiences communes variables sont des maladies qui sont certes rares, mais qui ne sont pas rarissimes, hein, une personne sur 20 000, voire même un peu plus, parce qu'elles sont probablement sous-diagnostiquées. Donc c'est une vaste famille de maladies qui est caractérisée par définition par un manque d'IgG, donc il faut qu'il y ait un manque d'IgG, qui ne sont pas nécessairement absentes, mais qui sont abaissées, associé le plus souvent, mais pas toujours, à un déficit d'autres classes, comme les IgA le plus souvent ou les IgM parfois. Les lymphocytes B sont présents, ils peuvent être réduits, mais ils sont jamais absents ou très rarement absents. Souvent, le déficit va également toucher l'immunité cellulaire.
Et alors, de façon très importante, et ça mérite probablement d'être surligné, pour autant que cette partie du cours elle-même soit importante, il va y avoir, en plus du déficit immunitaire, des phénomènes de type auto-immun, allergique, lymphoprolifératif, etc. Donc, il y a à la fois du trop peu et du trop, d'une certaine façon. Alors, très longtemps, on a considéré que la génétique était probablement importante, mais tellement compliquée parce que faisant intervenir de nombreux gènes différents qu'on ne recherchait pas les mutations. On a tendance actuellement à penser que probablement une bonne partie de ces maladies CIVD sont liées, enfin CVID, Common Variable, c'est moi qui fais le lapsus, Common Variable Immunodeficiency, sont liées à. Sont monogéniques, avec pas toujours une pénétrance parfaite, mais en tout cas avec certaines mutations qui sont souvent responsables de ces maladies. Voici un tel exemple d'ailleurs, un de mes patients, un patient qui à l'âge de 12 ans a vu apparaître des phénomènes plutôt de type inflammatoire, allergique, hein, avec de l'eczéma. Dermatite atopique, peut-être que Monsieur Nichols n'est pas tout à fait d'accord, mais enfin c'est globalement le même type de maladie que l'eczéma, une diarrhée chronique. Il voit apparaître peu de temps après des verrues. Donc des verrues, ce sont des lésions cutanées virales, hein, liées à des papillomavirus, qui révèlent un déficit de l'immunité cellulaire. À l'âge de 35 ans, il développe une primo-infection à cytomégalovirus extrêmement symptomatique. Donc, comme vous savez, on peut rencontrer le cytomégalovirus à tout âge, mais en principe, sauf dans le cadre du sida ou dans la grossesse ou chez les transplantés d'organes, c'est un virus qui est bénin. Le fait qu'il fasse ici une infection symptomatique avec hospitalisation, etc., révèle évidemment une immunodéficience sous-jacente. Et c'est lors de cette hospitalisation pour primo-infection ACMV qu'on met en évidence un déficit en IgG. Et à partir de ce moment-là, il va développer des infections respiratoires à répétition, avec petit à petit, ben, le développement de bronchiectasie. Hein, donc toutes ces images, comme celle-ci par exemple, ou comme celle-là, ce sont des bronchiectasies. On voit le développement d'une splénomégalie. Vous voyez ici une rate qui indiscutablement est beaucoup trop grosse. Et donc on se trouve bien face à ce mélange à la fois de déficit immunitaire B et T, de phénomènes de type allergique, la dermatite atopique, la grosse rate, enfin c'est pas allergique, mais ça révèle une activation anormale du système immunitaire. Voilà un bilan qui avait été fait au CHU vers 2015. La calprotectine, c'est un marqueur dont Monsieur Louis vous parlera dans le cours de gastroentérologie, qui révèle une inflammation intestinale. On débute un traitement pour ces problèmes de diarrhée par un traitement anti-TNF. Là aussi, il vous en parlera et je dirai un mot des traitements anti-TNF dans quelques minutes. Voici une bio réalisée à cette occasion-là qui montre bien le déficit en IgG avec l'absence d'IgA et des IgM qui sont trop basses. Donc c'est vraiment un bilan typique d'une immunodéficience commune variable. Le typage lymphocytaire que voici montre qu'il y a bel et bien des lymphocytes B qui sont bas mais qui sont présents, mais avec des anomalies en termes, je dirais, de différenciation de ces lymphocytes B, puisque notamment les cellules mémoire dites switchées, c'est-à-dire qui ont fait la commutation de classe, qui sont des cellules mémoire mais qui n'expriment plus ni les IgM ni les IgD, eh bien, sont insuffisantes. On n'a que 1,44% alors qu'il faut avoir entre 6,5 et 29%. Donc tout ça rentre totalement dans le cadre des immunodéficiences communes variables. On envoie l'ADN de notre patient dans un des centres de référence européens à Freiburg et on met en évidence la cause du problème, qui est une mutation hétérozygote classique d'un gène qu'on appelle CTLA4, dont vous avez entendu parler dans mon cours d'immunologie l'année dernière. Donc, pour rappel, le CTLA4, c'est une molécule qui permet l'homéostasie de l'activation des lymphocytes T,
quand vous activez un lymphocyte T via les deux signaux du TCR et du CD28, on retourne à l'état de repos, si je puis dire, en exprimant du CTLA-4 à la surface du lymphocyte T, qui va entrer en compétition avec le CD28 pour le ligand qui est CD80, CD86. Et comme CTLA-4 a plus d'affinité pour ce ligand que n'en a CD28, l'activation s'arrête puisque CTLA-4 est associé à une signalisation négative. Alors là, le Yervoy, c'est un médicament utilisé pour traiter les cancers parce que c'est un médicament qu'on donne pour bloquer cette interaction entre CTLA-4 et CD80. Donc les lymphocytes T continuent à proliférer de façon indéfinie. Eh bien, c'est la même chose qui se passe chez le patient en question. Lui, il ne prend pas de Yervoy, mais il a une mutation hétérozygote, pardon, de CTLA-4 qui fait qu'il exprime un peu de CTLA-4, mais il en exprime beaucoup moins qu'une personne normale et ça se traduit par une activation permanente du système immunitaire qui explique la splénomégalie, qui explique la dermatite atopique, qui explique la maladie inflammatoire de l'intestin. Alors là, vous me direz, mais comment est-ce que ça explique l'hypogammaglobulinémie? Ben, ce n'est pas encore très clair, mais probablement que les lymphocytes T chargés de prodiguer l'aide aux lymphocytes B, notamment via les T helper folliculaires et leur production d'interleukine 21, eh bien, ces T helper folliculaires perdent leur fonction par cette activation un peu permanente et on n'observe plus la commutation de classe qu'on devrait avoir et la formation des cellules mémoire et des plasmocytes. Alors, au départ, on pensait qu'aucune de ces maladies immunodéficience commune variable n'était monogénique, mais au fur et à mesure des années, de façon très rapide même, on voit qu'on arrive à élucider une proportion croissante de ces cas avec des mutations qui touchent tous ces gènes. Et en général, ce sont des gènes qui contrôlent l'activation lymphocytaire. LRBA notamment est impliqué dans l'expression membranaire de CTLA-4. La PI3 kinase est également une molécule qui intervient dans l'activation des lymphocytes T. Et les mutations qui sont observées de la PI3 kinase sont souvent des mutations gain de fonction, donc trop de signalisation. Donc on retombe un peu tout le temps dans le même schéma. Et dès lors, on peut répondre en se disant. Pourquoi est-ce qu'il y a dans ces maladies d'immunodéficience commune variable à la fois des infections et de l'auto-immunité? Ben probablement parce que le terrain génétique va favoriser à la fois l'inflammation, mais également va provoquer une perte de l'aide procurée aux lymphocytes B par les lymphocytes T avec une hypogammaglobulinémie. On pourrait dire, pour faire très simple, que cette sorte d'activation permanente du système immunitaire va donner une sorte de vieillissement prématuré du système immunitaire avec des déficits qui apparaissent parfois après les manifestations de type allergique ou auto-immun. Alors juste un mot d'un autre déficit en anticorps qui est plus fréquent que l'immunodéficience commune variable. Qui fait un peu partie du même type de maladie parce qu'on va aussi trouver, je dirais, souvent cette association du manque d'anticorps et de phénomènes allergiques et auto-immuns. Et d'ailleurs, parfois, on évolue du déficit en IgA puisque c'est de ça qu'on parle vers une immunodéficience commune variable. Donc, en fait, une personne sur 500 à peu près n'a pas d'IgA, donc c'est un déficit total en IgA. C'est considéré comme étant le déficit humoral le plus fréquent de tous. C'est considéré comme une maladie bénigne, puisque on pourrait dire que c'est la première ligne de défense qui va être abaissée, mais que vu que les IgG sont en quantité normale, les infections ne vont jamais être sévères, on va avoir moins d'infections basses, plutôt des infections hautes au niveau du pharynx, des sinus, etc. Néanmoins, ça mérite malgré tout de bien explorer ces patients, ou de les suivre en tout cas, puisque dans certains cas, comme dans le cas que je vous ai présenté il y a quelques minutes, un déficit isolé en IgA peut évoluer vers une immunodéficience commune variable avec déficit en IgG, et que par ailleurs,
on a plus de maladies auto-immunes de type maladie cœliaque, birmaire, thyroïdite, etc. Donc ça peut parfois être le marqueur d'autres problèmes. Donc c'est des patients qui doivent malgré tout être suivis. C'est fréquent, une personne sur 500, on parle réellement d'une maladie fréquente. Alors, notamment, c'est souvent des patients qui vont faire des problèmes de diarrhée à répétition, précisément parce que les IgA au niveau des sécrétions digestives contribuent à maintenir une flore normale, etc. Et donc, en cas de déficit en IgA, certains types d'infections digestives, notamment des giardiases, un parasite, seront plus fréquentes. Alors, on vient de voir des causes primaires de déficit en IgG avec des maladies qui vont souvent génétiques, hein, qui touchent cette différenciation des lymphocytes B depuis les précurseurs jusqu'au plasmocyte. Voici maintenant des causes secondaires qui sont liées soit à des maladies, par exemple hématologiques, hein, qui vont toucher soit la lignée B elle-même, comme des myélomes par exemple, ou les plasmocytes tumoraux vont petit à petit chasser de la moelle les bons plasmocytes et on va avoir, même si on a une hypergammaglobulinémie liée à une IgG tumorale, bah, toute la diversité va être perdue. D'autres types de cancers hématologiques comme des lymphomes, des leucémies chroniques, des leucémies lymphoïdes chroniques. Un truc rare qu'est le syndrome de Goode, c'est un thymome qui va se traduire par une auto-immunité dirigée contre les lymphocytes B eux-mêmes. De façon peut-être plus fréquente, les immunosuppresseurs évidemment, la chimiothérapie. Parmi les immunosuppresseurs, le plus fréquemment utilisés, c'est les corticoïdes qui, dès qu'ils sont à des doses supérieures à 16 mg par jour, QD ça veut dire par jour, peuvent provoquer une hypogammaglobulinémie en IgG. Le rituximab est un médicament qui détruit les plasmocytes. Donc d'habitude, l'effet du rituximab n'est pas suffisamment long pour qu'on ait une hypogammaglobulinémie parce que les IgG ont une durée de vie très longue. Donc les IgG qui sont en place vont quand même persister, mais si on fait des cures répétées, on peut voir apparaître petit à petit une hypogammaglobulinémie. Ça, c'est une illustration du thymome, hein. Alors, parmi les autres causes, j'aime mieux le terme secondaire qu'exogène en fait. On a les pertes de protéines, incluant les IgG, parmi lesquelles le syndrome néphrotique peut donner une hypogammaglobulinémie, une entéropathie exudative avec une perte des IgG au niveau intestinal, la splénectomie, parce que la rate est impliquée aussi dans la production d'IgG. Donc tout ça peut se traduire par des déficits de l'immunité humorale. Que fait-on avec ces patients? On ne parle pas ici des patients qui ont trop peu d'IgA, on parle des patients qui ont trop peu d'IgG essentiellement. Ben on va faire les petits moyens, c'est-à-dire éviter qu'ils ne fument, éviter les allergènes s'ils sont allergiques, qui vont entretenir une sorte d'inflammation délétère des muqueuses respiratoires, rendre de la vitamine D. Faire de la kiné respiratoire est essentiel quand il y a des bronchiectasies. Faire des vaccins, parce que même s'il y a un déficit de l'immunité humorale, eh bien, ce n'est pas un déficit total et les vaccins vont aider. Les vaccins vivants. Donc, en règle générale, les vaccins vivants sont contre-indiqués dans les immunodéficiences, quelles qu'elles soient. En particulier la fièvre jaune. Hein, donc, d'autres vaccins aussi que le BCG, on va en parler dans quelques minutes. Il serait intéressant de rechercher, en plus de l'hypogammaglobulinémie, des maladies auto-immunes, puisque je vous l'ai dit qu'elles sont plus fréquentes. Comment traiter ces maladies? Eh bien, il y a un intérêt de rendre des immunoglobulines.
notamment quand tes IgG sont très basses, en dessous de 4 grammes par litre. On estime que le risque de faire des infections, soit sévères, soit des infections occultes, avec un impact sur la structure des bronches, l'apparition de bronchiectasie, etc., on considère que c'est un risque important. Et encore une fois, quand le déficit est inférieur à 4 grammes par litre, il faut traiter par immunoglobuline. Si on est à des valeurs plus élevées, au-dessus de 4 grammes, ça va dépendre de la survenue d'infections sévères. On peut se contenter d'observer les patients si ce n'est pas le cas. Le déficit pur en IgA, on ne le traite pas, tout simplement parce que ça ne sert à rien. On ne corrigera pas le déficit au niveau des sécrétions en rendant des anticorps par la veine ou en sous-cutanée. Donc ce n'est pas une indication de traitement. Maintenant, il y a des cas où on a un déficit en IgG plus un déficit en IgA, et dans ce cas-là, on sera amené à traiter. Il y a parfois un risque d'allergie aux IgA chez ces patients. Deux grands modes de traitement, soit en intraveineux, soit en sous-cutané. Il faut savoir que les immunoglobulines, ce sont des produits préparés à partir des dons de transfusion. On va pouler des stocks de centaines de dons dont on extrait les anticorps. C'est un traitement cher, hein, de l'ordre de 700 à 1000, voire même plus, selon le poids du patient, par mois. Donc il faut vraiment le réserver aux indications indiscutables. La forme IV représente à peu près 80% des utilisations, mais la forme sous-cutanée est en train de gagner, je dirais, en popularité, notamment parce qu'elle n'exige pas d'aller en hôpital de jour. On passe au déficit de l'immunité à médiation cellulaire. Donc on parle ici essentiellement de déficit des réponses cytotoxiques, des réponses TH1. Et donc, ce qu'on va rencontrer dans ces déficits de l'immunité à médiation cellulaire, c'est plutôt des infections liées à des microbes intracellulaires, comme les virus par exemple, mais aussi certaines bactéries intracellulaires, comme les mycobactéries, certains parasites, certains champignons. Donc, toute une série de microbes dont il faut absolument se débarrasser grâce à l'activation des macrophages et des lymphocytes T cytotoxiques. Rappelle ce rôle important des lymphocytes T dans le contrôle du bacille tuberculeux, puisque la constitution du granulome, l'activation du macrophage va être sous le contrôle des lymphocytes T, TH1 notamment, mais les lymphocytes T cytotoxiques interviennent également. Alors, dans quelle situation va-t-on avoir des déficits de l'immunité cellulaire? Il y a des déficits primaires, de nombreuses causes, mais qui restent des maladies rares parce qu'elles sont graves. Notamment les SCID, hein, qui sont des déficits qui vont toucher profondément les T, mais aussi les B, ou des maladies qui vont plus spécifiquement toucher les T, comme la maladie de Dee-Georges notamment. De façon plus fréquente, on aura des déficits secondaires de l'immunité à médiation cellulaire. Le sida en est une cause extrêmement fréquente, bien évidemment, mais aussi des immunosuppresseurs comme les corticoïdes, comme la cyclosporine, les anti-TNF, etc. Alors voici des exemples de mutations qui vont donner des déficits T, mais aussi un déficit B, parce que ce sont des gènes qui interviennent dans les deux voies de différenciation. Et vous avez notamment les RAG dont j'ai parlé dans le cours de l'année dernière, l'adénosine déaminase, les récepteurs, la chaîne gamma du récepteur de l'interleukine 2, etc., etc. Une maladie qui va spécifiquement toucher les T parce qu'elle va empêcher la formation du thymus, c'est la maladie de Dee-Georges. C'est une agénésie thymique qui est liée à une délétion chromosomique et qui va s'accompagner d'autres anomalies de développement, notamment au niveau de la face, au niveau des parathyroïdes et au niveau du cœur. Maladie de Dee-Georges avec fente palatine, etc. Bon, c'est des maladies rares, évidemment. Alors, de façon plus subtile, on se met à mettre en évidence des mutations qui vont
affecter la réponse des lymphocytes T à certains agents infectieux et pas à d'autres. Et le nombre de lymphocytes T de ces patients sera strictement normal. Donc c'est évidemment quelque chose qui est difficile à diagnostiquer, avec moins de conséquences et moins de maladies graves, donc probablement beaucoup plus fréquentes aussi. Un bel exemple, c'est tous les travaux de Jean-Laurent Casanova sur la tuberculose, ou en étudiant des familles atteintes de tuberculose, dans lesquelles manifestement une génétique est en cause dans la sévérité des lésions, il a pu mettre en évidence toute une série de mutations touchant des protéines impliquées dans la réponse aux antigènes tuberculeux. Et la même équipe, celle de Jean-Laurent Casanova, a notamment sorti deux très beaux papiers dans Science il y a quelques semaines d'ici, pour expliquer la susceptibilité au Covid. Et là, c'est plutôt au niveau de l'immunité naturelle que ça joue, au niveau de l'interféron alpha. Mais donc, c'est probablement des maladies plus subtiles qui vont impacter uniquement un seul agent infectieux ou une catégorie d'agents infectieux, sans affecter le nombre de lymphocytes T, par exemple. Alors, ce qui est clair, c'est que dans cette réponse au bacille tuberculeux, on a à la fois le rôle de l'interféron gamma, indiscutablement, mais aussi le rôle du TNF-alpha, une sorte de boucle entre l'interféron gamma et le TNF-alpha qui va intervenir dans le contrôle des maladies tuberculeuses. Juste, c'est une image pour illustrer le rôle de ces deux cytokines très importants dans le contrôle des lésions tuberculeuses, l'interféron gamma, comme on vient de le voir avec les travaux de Casanova, mais aussi le TNF-alpha, produit par le macrophage et les lymphocytes T cytotoxiques, et qui contribue à la formation des granulomes et l'apoptose des cellules infectées. Tout ça pour aboutir à quelque chose d'extrêmement important, qui est le risque des traitements anti-TNF, le risque de tuberculose nettement accru par ces médicaments. Donc tous les médicaments anti-TNF accroissent le risque de tuberculose. Ce risque est plus élevé pour des monoclonaux tels que l'infliximab ou l'adalimumab que pour un médicament qu'on appelle étanercept, qui est en fait un récepteur soluble du TNF-alpha, qui est utilisé comme médicament pour tamponner en quelque sorte le TNF-alpha et l'empêcher d'atteindre les récepteurs membranaires. Donc on considère que le risque de tuberculose, quand on prend ces médicaments, est accru d'un facteur une dizaine de fois par rapport à la population générale. Alors regardez, voici ce qui se passe chez un patient qui ne prend pas d'infliximab, donc avec la formation classique des granulomes, et la dissolution complète de ces granulomes chez un patient qui reçoit un traitement par anti-TNF-alpha. Il est donc obligatoire, quand on initie un traitement par anticorps anti-TNF-alpha, d'exclure une tuberculose préalable par l'anamnèse, examen clinique, une intradermo réaction à la tuberculine, ou bien son équivalent sanguin qui s'appelle un IGRA ou quantiféron, qui va permettre de mettre en évidence des lymphocytes T producteurs d'interféron gamma spécifiques des antigènes tuberculeux. Dans le doute, un scan thoracique devra être réalisé. On passe au déficit du complément. Pour rappel, le complément a des fonctions antimicrobiennes. Notamment, le complexe d'attaque membranaire intervient dans la lyse des bactéries à gram négatif et notamment du méningocoque. Mais le clivage de C3 va fournir des opsonines très puissantes comme le C3b et l'IC3b qui vont intervenir dans la phagocytose et l'élimination des bactéries en général, y compris des bactéries encapsulées à gram positif comme le pneumocoque.
Les déficits en C3 vont donc être les plus graves. Elles vont provoquer des infections à streptocoque, notamment streptocoque pyogenèse, des infections à pneumocoque. Les déficits du complexe d'attaque membranaire vont quant à elles être surtout associés à des infections à Neisseria, surtout méningocoque, dans une autre, également gonocoque, bien que ce soit moins important. Si vous avez par contre des déficits des premiers facteurs de la voie classique, il y aura peu d'infections parce que ça va être compensé par la voie alterne, mais on aura plutôt des phénomènes auto-immuns. Nous en parlerons dans le cours sur l'auto-immunité. N'oubliez pas la voie des lectines, la MBL, et là aussi on décrit souvent dans la population générale des polymorphismes de cette MBL associés à des infections à répétition, moins sévères que dans les déficits en C3 par exemple, mais qui font partie des choses qu'on ne dose pas souvent, mais qui peuvent expliquer que certains patients font des infections à répétition malgré des quantités normales d'anticorps, un CH50 normal, etc. Un petit cas clinique qui illustre un déficit du complément chez une dame ou un monsieur qui a fait une méningite à méningocoque. Dans son histoire clinique, si mes souvenirs sont bons, il en avait déjà fait une autre. Et on réalise, bon, ça c'est sa ponction lombaire, comme vous verrez, non, c'est son analyse de sang, syndrome inflammatoire relativement modéré, la ponction lombaire. On ne la voit pas, mais ce qui frappe ici, c'est que son CH50, donc le CH50, c'est un test qui mesure l'intégrité de la cascade du complément, la voie classique. Et à partir du moment où ce résultat est effondré, ben, ça veut soit dire qu'il y a une consommation aiguë du complément, mais ceci a été fait à distance de sa méningite, donc probablement que c'est pas ça qui peut l'expliquer, soit un déficit génétique d'un des facteurs du complément depuis C1 à C9. On sait déjà que le C3 est normal et que le C4 est normal. Donc on a envoyé son sang à Bruxelles, où ils font le dosage de tous les facteurs de la voie, de la partie terminale du complément, le complexe d'attaque membranaire, et ils ont pu montrer un déficit total en C5, qui est responsable à la fois du CH50 effondré et de ses méningites à méningocoque. Alors pour la petite histoire, on a en clinique des médicaments. Alors souvenez-vous, le clivage de C5 génère le C5B et le C5A. Le C5A est un facteur pro-inflammatoire d'une extrême puissance qui intervient dans de multiples maladies. Et on a en clinique des inhibiteurs du clivage de C5, notamment comme l'eculizumab. Et une des conséquences graves de ce traitement qui empêche le clivage de C5, ce sont des méningites à méningocoque précisément. Et c'est ce qu'a notre patient, puisque lui, il n'est plus capable de cliver son C5, puisqu'il n'a pas de C5 du tout, en fait. On termine par le déficit des phagocytes, qu'il s'agisse des polynucléaires neutrophiles, des macrophages ou des cellules dendritiques. Le type d'infection qu'on va avoir, ben, ce sont des infections qui sont liées à des microbes qui sont déjà là, puisque ces cellules phagocytaires font vraiment office de défense de toute première ligne. Donc ce seront des microbes, des microflores, que ce soit la flore buccale, la flore intestinale, la peau ou de l'environnement, ou dans certains cas de mycobactéries de l'environnement, des mycobactéries atypiques notamment qu'on va trouver dans l'eau du robinet ou dans... Alors dans certains cas, ça peut être des bactéries tuberculeuses par exemple, ce que j'appelle typique ici, enfin on pourrait dire... On va le formuler de cette façon-ci, ça m'a l'air moins ambigu, mycobactéries notamment atypiques. Alors quelles sont les causes de ces déficits des cellules phagocytaires? Il pourra soit s'agir de déficits quantitatifs, hein, par exemple des neutropénies ou des agranulocytoses, qui seront liées soit à des maladies hématologiques ou à des médicaments, parfois qui induisent des chimiothérapies ou des médicaments dont l'effet secondaire est d'induire ces agranulocytoses, hein, par exemple certains anti-inflammatoires, certains médicaments qu'on utilise dans les hyperthyroïdies. On pourra avoir des déficits fonctionnels, notamment
des enzymes qui interviennent dans la production des espèces réactives de l'oxygène. Et par ailleurs, ces cellules phagocytaires sont très sensibles aux fameuses comorbidités dont on a parlé tout à l'heure. Alors, un exemple de maladie génétique qui va altérer la fonction des phagocytes, ce qu'on appelle les maladies granulomateuses chroniques, la forme la plus fréquente, c'est celle-ci, ce qu'on appelle la maladie granulomateuse chronique liée au chromosome X, qui va toucher une sous-unité de la NADPH oxydase codée sur le chromosome X, et en conséquence de ça, les garçons atteints de cette mutation, porteurs de cette mutation, seront incapables de fabriquer des espèces réactives d'oxygène à partir d'O2 dans leurs cellules et auront donc de gros problèmes pour tuer les microbes intracellulaires. Et les microbes qu'ils ont phagocytés, donc pas uniquement les intracellulaires, mais aussi les microbes phagocytés, tels que staphylocoque doré, etc., etc. Alors voici un exemple assez éloquent. Donc c'est un jeune monsieur qui a cette maladie que j'ai vu quand il avait, ben, je l'ai vu il y a 2 ans, donc il devait avoir à l'époque 33 ans, 31 ans, 32 ans. Il n'avait jamais eu beaucoup de problèmes dans sa vie, et puis il vient pour une dégradation d'état général, et le scanner thoracique met en évidence cette lésion-ci que vous avez là. On la biopsie, on la met en culture, et on observe une mycobactérie acido-alcoolo-résistante. On parie d'emblée sur une tuberculose, et puis on a la surprise de voir que c'est une mycobactérie, Mycobacterium bovis, et qui est en fait du BCG. Le BCG, c'est le vaccin de la tuberculose. Et en effet, c'est un patient d'origine luxembourgeoise, et il a reçu dans l'enfance le vaccin contre le BCG. Et c'est ce vaccin qui n'a jamais pu éliminer. Et autant d'années après, 31 ans après, ce BCG est revenu sous la forme de cette lésion ganglionnaire. Avec toutes les difficultés qui s'en sont suivies pour le traiter, puisque le traitement qu'on a mis en place a antagonisé un antimycotique qu'il prenait pour éviter les lésions à Aspergillus, et il a développé des lésions disséminées d'aspergillose, notamment au niveau osseux, au niveau fémoral, au niveau cérébral, etc. Donc ça illustre bien cette grande difficulté des phagocytes de se débarrasser de certains microbes quand la production d'espèces réactives de l'oxygène est altérée. Je vous ai dit que les phagocytes étaient également très sensibles à certaines anomalies d'autres organes, notamment dans le diabète, et chez les diabétiques mal équilibrés, la fonction phagocytaire est particulièrement altérée par toute une série de mécanismes, notamment parce que cette production d'espèces réactives de l'oxygène consomme beaucoup d'énergie. Or, le diabète est caractérisé par une difficulté pour la cellule à utiliser l'énergie du glucose. Donc le diabète est associé à des infections à répétition, c'est également le cas du Covid, hein. On a dit que beaucoup de patients aux soins intensifs étaient des patients diabétiques, mais on va surtout rencontrer des infections cutanées, muqueuses, des sepsis, etc. Dans certains cas, des infections qu'on ne trouvera presque que chez les diabétiques très mal équilibrés, notamment en acidocétose, c'est le cas de cette infection mycotique, mucormycose, avec toute la gravité qui y est associée. D'autres causes, bon, les médicaments immunosuppresseurs vont altérer la fonction des phagocytes, la cirrhose, l'alcool, l'insuffisance rénale, etc. N'oubliez pas la splénectomie, donc la splénectomie qui sera réalisée dans certains cas dans les suites d'un traumatisme de la rate, mais parfois elle sera programmée, notamment dans certaines maladies hématologiques. Elle va s'accompagner d'une incidence très accrue d'infections à germes encapsulés, notamment de pneumocoque, de méningocoque et d'hémophilus, et nécessitera des vaccinations préalables, des rappels de vaccination et un suivi strict de ces patients. La malnutrition est également une cause importante de déficit immunitaire, touchant notamment les phagocytes, et
représente probablement mondialement la cause principale de déficit immunitaire, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau du développement des enfants, et une sorte de cercle vicieux où les problèmes de développement de l'enfant vont concourir à accroître la pauvreté des États, la malnutrition, etc. Voilà, c'est la fin de ce premier cours sur les immunodéficiences primaires et secondaires, à l'exception du sida qui sera vu dans le cours de l'année prochaine.